Oui, VOA sous place, deux envoyés spéciaux. Nous allons rejoindre d'abord Valério, et nous sous place, nous avons gardé, nous avons suivi pour les amis téléspectateurs. Ils ont déjà joué en pile déjà et nous avons pile encore pour nous bailler. D'abord, Valério, nous connaissons que le match demain. Dis-nous, qui j'ai ambiance là et dans ce ouais, dans ce attendez. Jacqueline, pour match Haïti, la Chine qui a joué dans Ville Adélaïde, faut me dire que l'ambiance là, il commence à une petite tension, nous commençons à sentir tension. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que dans ville là, dans différents côtés, nous remarquons la présence asiatique, on nous dit en gros, en général, mais particulièrement présence chinoise, puisque nous rencontrons des fanatiques pays, équipe pays la Chine, qui ont même gain temps, gain foulard, chapeau, avec couleur de drapeau, équipe nationale, équipe pays la Chine. Parce qu'il faut me préciser que dans Ville Adélaïde, il y a une population de 4,1% asiatique. Ça ne veut pas dire que tous ces Chinois, il y a des droits coréens, il y a des droits japonais et l'autre nation asiatique, mais quand même, il y a une quantité chinoise dans Ville Adélaïde. Donc, on commence à faire sentir présence dans la rue, dans différents côtés, aux alentours du stade, côté que l'équipe chinoise a entraîné. Même aux alentours de conférences de pression, nous avons deux, trois qui paraissent avec foulard, ils ont venu quand même avec une couleur, un bagage sur eux qui montrait que c'est fanatique pays la Chine, c'est fanatique équipe nationale par eux, et ils très fier que pays pour jouer contre face avec Haïti dans Ville Adélaïde, Jacques. C'est comme ça, attention, nous a dit, c'est comme ça, nous avons ambiance jusqu'à présent. Donc, Valério, demain, c'est vérité sous tambour. Haïti a rencontré avec la Chine et Gampil, Chinois, ont dit au Gampil espoir et Haïti, ont dit au pral jouer boule. D'abord, nous connaissons que vous visitez Chinois plusieurs fois. Dis-nous, qui est en situation et bon côté équipe chinoise là? Bon côté équipe chinoise, faut nous dire que nous sentis que y a une certaine assurance. Yo sûr de tête, yo senti yo jam pour match là, parce que et d'après ça, vous fait connaître dans la conférence de presse que justement entraîneur et équipe nationale là, ensemble avec milieu de terrain équipe pays la Chine te bay, et dans la conférence de presse que te bay hier justement, yo t'a répondu à une question plusieurs journalistes. Yo fait sentir que palmarès que y a devant yo fait yo senti yo très confiant dans le match. D'après eux-mêmes, c'est pas un poids facile. Bien que, ils disent que Haïti, quand même, il y a des joueurs qui évoluent dans le club, dans le pays de la France, c'est des joueurs qui ont été entraîneur équipe la Chine, lui-même, dit que palmarès, il y en a, après, qui c'est 8 participations, par exemple, que le pays de la Chine a gagné dans les affaires mondiales. Après, en 1999, il a été fait finale face avec les États-Unis dans la ville de Californie, côté qu'il a perdu quand même dans le tir au but. Et puis, il a rappelé tout que il a senti avec titre que vous avez actuellement là, titre champion d'Asie, et bien équipe nationale pays la Chine senti très confiant. Dans la conférence pour la presse que nous avons assisté, nous senti réponse que les journalistes et même journalistes sur la question que vous avez posée, ils sont très confiants. Nous même senti dans la même question qui était posée dans la salle là, que vous avez même sous-estimé un petit peu et performance Haïti, bien que vous reconnaissez que face à l'Angleterre, Haïti a quand même fait un bel match. Donc, les Chinois ont paré. Je n'étais pas en conférence pour la presse et je vous dis tout à l'heure, à la joue arrivée, c'est souterrain, nous parlons de vérité, Jacqueline. Pour l'équipe de football féminine de la Chine, là, moment décisif, c'est la dernière ligne droite. Là. Dans la conférence de presse qui saute bail là, nous avons remarqué une salle remplie avec des journalistes en majorité asiatiques. Entraîneur équipe là qui c'est Shui Xingsha, avec un autre joueur qui était chita beaucoup côté lui, qui c'est Zhang Jui, tu parlé avec la presse, il expliqué clairement que l'équipe chinoise n'a pas dormi sous laurier, à savoir laurier de champion d'Asie. Il est venu là pour gagner une victoire. Il vient chercher une victoire dans la Coupe du Monde 2023. Entraîneur a te précisé tout, que il est au courant que il y a 5 joueuses dans l'équipe haïtienne qui ont même évolué dans différents clubs dans le pays la France. Il dit que joueuses ça, il faut faire attention ensemble avec eux. En conférence de presse qui était bien passée et qui a gagné un message à donner entraîneur ensemble avec joueurs, il était venu un message by tout fanatique football chinois yo, et certainement message à tous et pour l'équipe haïtienne, il faut reconnaître que yo vini pour gagner match là. Zhang Ruyi qui jouait milieu de terrain pour l'équipe la Chine t'a dit. Nous parlons de chaque match, yun par yun, qui donc en concentré sur le match de mer. C'est comme ça que nous allons faire tout ça nous capables pour nous bien jouer contre l'adversaire. Beaucoup de paris, Shu Yingjia, entraîneur équipe la Chine, te répond une question journaliste a été posée sous joueuse Haïtia, Jennifer Limage, qui était blessée et qui n'a pas qu'à continuer à jouer dans le mondial.
Moi pas nécessairement croire que nous pral considérer ça nous pral faire après accident jouer ça qui c'est une adversaire nous yo. Mais en général, équipe Haïti a gain 5 joueurs qui a évolué en France, qui a joué dans club en France yo. Yo c'est des joueurs différents de joueurs ça yo que nous t'ai joué en face yo, ça fait longtemps de ça. C'est pour ça nous devons bien préparer tête nous en général. Mais moi pas qu'a dit que juste parce que un joueur est blessé que nous devons changer stratégie. Mais moi connais que nous t'a dû concentrer et puis préparer tête nous avec en pile attention, connaissant stratégie équipe Haïti a ensemble avec tactique yo que nous connais jusqu'à présent. Après conférence pour la presse que sélection nationale pays la Chine te bail, nous t'ai rencontré avec Henri qui lui-même son fanatique équipe chinoise. Personally, obviously, Team China are going to win. Personnellement, évidemment, je pensais que pays la Chine a gagné. 2 pour la Chine, 0 pour Haïti. Come on, yeah. Working hard. En avant la Chine. C'est comme ça que nous avons suivi conférence de presse pour depuis Adélaïde, dans le pays Australie. Valerio Saint-Louis pour VOA Creole. Merci Valerio Saint-Louis. Donc, le match là, c'est demain matin pour nous-mêmes. Qui en Haïti et quelques côtés aux États-Unis, par exemple, et dans Washington et autres, c'est demain matin, bonheur. Et pour Valérie Saint-Louis avec Gentil Augustin Junior, c'est yo même, c'est non l'autre jour que la pied, la déjà samedi pour yo. Nous allons jouer une deuxième envoyé spécial, nous, qui c'est Gentil Augustin Junior. Et Gentil, nous t'aimons faire une seule question, faire deux pour d'abord. Et Valérie, si tu as parlé de présence, communauté asiatique là, en particulier chinois yo, qui déjà gagne banderole, casquette et autres. Et dans même endo, et Haïti, est-ce que nous cap nous joindre moun na Adélaïde yo même qui déjà préparé pour chauffer équipe haïtienne? Et puis ou qu'on aime toujours me poser une petite question sur température, parce que moi on a haïtien pile là dedans, bien que gagne joueur cap joue en Europe, mais en pile là dedans yo pas Freddy et banonti des de température avant match là. Et j'en dis à Jacqueline, et on est haïtien pas jamais d'accord avec Freddy. Pendant ma parole à voilà là, les 50 degrés Fahrenheit dans Adélaïde, ça y est que haïtien n'est pas de côté lié à gagner haïtien qui a joué en France, oui, il a joué dans Freddy, mais nous pas jamais fin habitué à ça. Moi même pas date ma petit Freddy, mais jusqu'à présent, nous pas qu'on finit en forme avec Freddy m'apprend. Et c'est un bagage chinois plus ou moins joué sous lui, parce que même yo déjà dans Adélaïde, ça fait depuis le commencement championnat, yo qui t'a dit, ah, yo pas quoi Haïti, car qu'un bien en Freddy ça, hier soir yo fait entraînement par yo très tard, en façon, parce que c'est presque dans même tranche là match on va jouer yo ketan konnen que Freddy ça li pas bon pour haïtien yo et nous t'a regardé tout dans entraînement que quelques joueurs qui a tremblé ça montre nous que Freddy a pas fin bon pour nous pas connait si équipe la gagne équipe manche longue bon on a regardé pour nous est-ce que yo capable kembe en face équipe la Chine. Pour deuxième question Jacqueline, haïtien yo nous pas connait ouais présence yo dans Adélaïde à part des qui haïtien qui accompagné équipe là. Moi m'a parlé yo essayer chercher pour nous est-ce qu'il y a haïtien qui là. Mais nous pas vraiment jeune. N'a regardé dans salle conférence là, c'était moi même Valerio et Steven qui sont à Haïti avec Sophonie comme haïtien qui était présent. Donc nous pas connait la fièvre haïtien pour championnat pour match ça qui vraiment important pour équipe haïtienne. Mais côté joueur yo, coach là tout bagay en forme, tout bagay en place pour Haïti font bon match parce que Haïti pa doit faire erreur dans match ça. C'est un match décisif pour Haïti, même j'en ai décisif pour la Chine. Mais si Haïti voulait continuer dans la compétition ça, si Haïti voulait faire que fanatique li yo content, il doit gagner la Chine à soi. Oui, et effectivement, et Gentil, même Jean Valerio t'a visité camp chinois, t'a même nous même et dis-nous non qui genre situation est, qui genre et entraîneur, joueur, yo réagi quelques heures avant gros match ça que vous pourrez jouer contre la Chine. Yon match qui est important pour tous les deux équipes yo, parce que tous les deux gagnent 0 point et yo tous les deux gagnent qualification devant, yo capable de qualifier toujours. Qui en sait bon côté et haïtien? Bon côté sélection haïtienne, tu as gagné une conférence de presse vraiment hier. Nicolas Delepine qui s'est entraîné équipe là. Ligre était très confiant. Il dit qu'il croit dans l'équipe LIA, il croit sur l'individualité qui gagne dans l'équipe LIA, qui est capable de créer la différence là face à l'équipe la Chine. Il a posé la question concernant est-ce qu'elle connaît l'équipe chinoise. Il dit que son équipe l'a suivi depuis 2018, dans la finale, dans la Coupe du Monde qui était faite en France dans l'année 2018. Et puis il jouait dans l'équipe la Chine qui a joué en Europe. Et jouait ça,
lui-même lui c'est français, entraîneur c'est un français, il dit qu'il gagne sous yo. L'a veiller yo, il contrôler yo, il garder match la Chine en façon pour cap présenter haïtien, haïtien yo, joueur haïtien yo, qui ça équipe ça y est. Côté pour pénalité, qui c'est gardien nous qui était kembé en pénalité malgré après sa pénalité à tabelle rechuté. Il était prend gol là, il était très confiant, il dit moi même son monde qui très sage, qui très serein. M'a prend ba gol là, moi pral défendre l'équipe haïtienne et nous gagnons seul objectif. Nous pouvons atteindre objectif là, c'est passer premier tour et continuer dans la compétition. Un jour avant Haïti à la frontière l'équipe la Chine pour deuxième match li, tu as une conférence de presse qui était organisée. Côté entraîneur, tu es venu répondre à une question journaliste. En pile question t'es posée. Dans la question que tu as posée, l'entraîneur a été très confiant. Et il t'a dit, l'équipe de la Chine, son équipe, les suivant pile parce que l'équipe ça, son équipe qui est fort, parce que les champions déjà d'Asie, mais il n'y a pas qu'à faire back. Parce que match ça, son match décisif pour Haïti. Haïti n'a pas de droit à errer. S'il veut avancer dans la compétition, il est obligé de battre la Chine. Attention, voilà, on met une grande alerte parce que la Chine est une grande équipe. C'est une équipe qui est dans le top 15 mondial. Et faire un match, pour moi, c'est possible. Faire un bon match contre l'Angleterre, c'est possible. On avait fait un bon match contre les États-Unis dans nos qualifications. Mais le plus dur dans le sport de haut niveau, c'est d'enchaîner les matchs. Et moi, c'est là que j'attends mon équipe, c'est de pouvoir refaire cette prestation contre la Chine, contre un adversaire à nouveau du top 15 mondial. Et là, on pourra dire qu'on a franchi une étape. Pour l'instant, on a peut-être montré au public qu'on était capable de, mais on veut un petit peu plus loin et la Chine sera un vrai match test pour nous. Je t'ai posé la question tout sur qui joue à l'icône dans l'équipe la Chine. Il te répond, Gampil joue à la suivre depuis Coupe du Monde qui était faite en 2018 la France là. On a des joueuses qui ont été identifiées, de très bonnes joueuses, des joueuses qu'on connaît, puisqu'on a des joueuses chinoises qui ont déjà joué contre l'équipe d'Haïti à la Coupe du Monde 2018, des moins de 20 ans en France, et qui sont aujourd'hui dans cette équipe de Chine à la Coupe du Monde. Donc je crois qu'on a une attention toute particulière au système de jeu, aux joueuses qui sont influentes. On sait qu'il y a des milieux de terrain qui sont très efficaces, qu'on a aussi des attaquantes qui sont clairement identifiées, et puis notamment un des défenseurs qui joue au Paris Saint-Germain, qu'on a vu évoluer aussi un petit peu en France. Donc oui, on est très attentif à l'équipe de Chine, et de toute façon, pour faire un grand match, il faut tout d'abord respecter son adversaire et savoir ce qu'il a accompli jusque-là, comment il l'a fait. C'est pas seulement entraîneur Nicolas Delépine qui te répond à une question à la presse. Qualité est ce qui est meilleur gardien équipe là, gardien numéro 1 équipe nationale là, te répond à une question à la presse tout. En pile question te posé sous comportement li après l'été final que c'est goal sous pénalité, yon pénalité l'était déjà kembe. Notre objectif n'est pas encore atteint puisqu'on a on a perdu contre l'Angleterre. Je sais que tout le monde pensait ça, mais nous, on ne pensait pas comme ça. On est venu pour gagner, donc on va gagner. Donc ce match-là, c'est derrière nous, mais par contre, la Chine, et on va tout donner pour sortir victorieuse. La équipe féminine haïtienne dans la dernière ligne droite. Li. Yo pral jouer face à la Chine, yo pral derrière un 3 points. Donc, coach a mis la dernière touche. Li. Après une conférence de presse, il a répondu à une question. Il était déjà annoncé que l'équipe li a tête frette, l'équipe là pas faibli parce qu'elle croit dans l'équipe là et elle croit chaque grain joué dans l'équipe là qui fait différence. 3 points ça sont 3 points de assurer si vous voulez avancer dans le reste championnat. Gentil Augustin Junior, Adélaïde, Australie, pour VOA Creole.